Nos tubs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pierre de Bol, 23 ans, abbé de la paroisse locale. Étonnant, il ne porte pas d'habit d'abbé. Quoi d'autre? A priori mort, et a posteriori, relâchement du sphincter. Classique. Je l'avais pressenti. Senti aussi. Mais encore? Apparemment, suffocation accidentelle. Mais on t'enverra le rapport du légiste. Pas sûr que t'arrives à en faire un article cette fois. On verra ça. Merci pour l'appel, l'ami. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que tu peux me dire sur cet abbé? Il était cool. Tu le connaissais comment? Bah, il m'achetait des verres souvent et me donnait des saucisses gratuitement. Je suis désolé pour toi, mon garçon. Tu devrais rentrer chez toi et te reposer un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bien joué. L'abbé tombe sa pelouse et rassemble ses dernières forces pour dire no tub avant de mourir. Enfin, ça devait plutôt ressembler à... Mais je vous passe les détails. Vous êtes sûr que ça ressemblait pas plutôt à... Non, je vous assure, commissaire, ça ressemblait vraiment, d'après ce qu'on m'a dit, à un... Avec le ventre. Ça me paraît étrange quand même, votre histoire. Hein. Il était très apprécié et très connu dans le quartier. Il donnait à manger aux pauvres. Bon, ça va, j'avais suivi. Mais no tub... Un abbé meurt et son dernier mot est no tub... Ça peut faire du bruit. Enquête là-dessus. C'est probablement non. Si c'est une femme, je veux savoir laquelle. Si c'est un cheval, je veux savoir dans quelle course. Mais dépêche-toi. Tu as jusqu'à ce soir pour me prendre ton article. No tub. No tub. No tub. Mais je sais ce que c'est, moi. Tu veux que je te raconte? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ce qu'on a? C'est des fous. C'est une putain de secte, mon gars. Ils sont fous, mais ils se cachent. Ils sont là le soir, le vendredi soir, ils se réunissent. Mais je les ai vus, moi. Je sais qui ils sont. Qui ils? Mais les religieux fous! Ils se rassemblent, ils se cachent, ils se déguisent. Ils n'ont pas d'habit d'abbé, de prêtre, de moine, de nonne. Non, non. Mais moi, je les ai vus. Moi, je sais qui ils sont. Mais dites-moi, l'abbé de Bol, Pierre de Bol, est-ce qu'il ferait pas partie de ce rassemblement par hasard? Mais c'est lui leur chef! C'est lui qui leur met toutes ces idées dans la tête! C'est lui qui les rend fous! Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais ils sont fous, je te dis! T'en veux? Non, j'ai arrêté. Continuez. Alors j'ai pas encore la preuve, mais je suis presque sûr qu'ils se rassemblent, ils enlèvent des enfants et ils leur coupent la teub! Et tu veux savoir? Tu veux savoir? Tu veux savoir? Dis-moi. Je pense même qu'ils sont pédophiles. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vois ici les hommes et femmes les plus généreux et les plus intelligents que j'ai jamais vus. Je
vois ici une génération entière qui travaille à la pompe à essence, qui fait du service dans les restos, et qui est esclave d'un petit chef dans un bureau, et qui vend ce qu'il peut sur un stand miteux. Certains jouent, gaspillent la nourriture, pendant que d'autres font des boulots qu'ils détestent, se tuent à la tâche, et peuvent à peine se payer ce foutu béton qui les empoisonne à petit feu. Eux, oui eux, les enfants oubliés de l'histoire, les sans-but, ceux qui n'ont pas de véritable place. Eh bien la télévision leur a appris qu'un jour, ils seraient tous riches, et qu'ils auraient tous leur part du plat dans leur assiette. Mais c'est faux! Ils sont condamnés à bouffer du sable! Alors on en a vraiment, vraiment plein le cul. Monde de merde.